Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? J'hésitais à te le demander. J'hésite toujours, d'ailleurs. Oh, et puis merde. J'ai franchement besoin d'un coup de main. Oh, tu as besoin de mon aide? Très intéressant, raconte. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kaer Morhen. C'est une certitude. Je cherche des gens, des ressources. Tout ce qui pourrait m'aider à la repousser. La chasse sauvage? Tu ne crois quand même pas à ces balivernes? Ces balivernes sont bien réelles, crois-moi. Et douloureuses. Je suis aussi doué pour le combat que toi pour la danse. Et Kaer Morhen se trouve en dehors de ma zone d'influence. En revanche, je n'aurais pas récupéré mon magot sans toi. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner une bourse bien remplie et on dira qu'on est quitte. D'accord? D'accord. Merci. Comment vont les choses, Geralt? Tu as un autre périple en tête? Bien sûr. Le géant de glace n'était qu'un début. Et puis, certains fils de pute racontent déjà qu'il n'était pas si grand. Et les braves gens d'Unvik? Toi et tes gars, vous étiez censés les aider à retrouver leur île et rebâtir Urskar. Ceres s'en occupera. Tu as trouvé qui a fait venir les berserkers à Kertrold? Non. Pour être honnête, je comptais sur Ceres pour trouver une piste, mais ça n'a rien donné. Enfin, on les a retrouvés et liquidés. C'est ça le plus important. Les ennemis du clan Ancret y réfléchiront à deux fois avant de nous chercher des noises. Ciri et toi, si j'ai bonne mémoire, vous avez grandi ensemble. Du moins, pour un temps. Oui. Elle a passé la moitié de son enfance sur les îles. Toujours sur mes talons qu'elle était, cette petite maigrichonne. Mais pour ce qui était des sourds en patins à glace, elle nous surclassait tous. Un jour, en voulant faire le malin, je me suis fracassé contre un rocher. Et c'est là que tu as annoncé à Krar que vous alliez vous marier. Qui t'a raconté ça? Ouais, on avait 12 printemps chacun. Une amourette que le paternel m'a ôté de la tête à coups de fouet. Je me demande quel effet ça ferait de la revoir. La chasse sauvage prépare un assaut sur Kaer Morhen. Ton aide me serait précieuse. Les spectres sont aux portes de la forteresse des sorceleurs. Tu es un ami du clan, je ne peux rien te refuser. Qui plus est, jamais un Ancret n'a tenu tête à pareil ennemi. Je pars sur le champ. Merci. Je ne l'oublierai pas. Paul, t'as trop bu hier soir, toi aussi? Vous avez un instant? Comment Hjalmar joue-t-il son nouveau rôle? Ça ne lui est pas monté à la tête, j'espère. Non. Père garde les pieds de mon cher frère sur Terre. Vraiment? Donc pas de guerre contre Nilfgaard? C'est inévitable, j'en ai peur. Il n'y a pas que Hjalmar, tout le monde la souhaite. Tout le monde? Sauf vous. Une guerre, même défensive, est synonyme de mort et de destruction. Alors oui, je préférerais l'éviter. Mais les gens disent que les escadrons noirs vont attaquer tôt ou tard. À ce moment, je serais heureuse de savoir Hjalmar à notre tête. Je dois aborder un sujet délicat. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Krar vous a sûrement parlé de Ciri. Vous l'avez trouvée? Pas encore. Mais je n'en suis pas loin. L'ennui, c'est que dès que je l'aurai trouvé, la chasse sauvage pourra sûrement nous localiser, rapidement. Il faudra donc que je la conduise à Kaer Morhen pour affronter la chasse, là-bas. Je cherche des alliés. Je ne peux pas venir, je le regrette. Hjalmar m'a confié des tâches importantes. C'est mon roi à présent. Je ne peux pas l'abandonner. Je comprends. Je dois y aller, il faut que je poursuive mes recherches. Bonne chance, Geralt.
qui va là? Maudits soient les escadrons noirs. J'ai à vous parler. C'est délicat, mais j'ai besoin d'une faveur. Une faveur considérable. Dites toujours, mon ami. C'est Ciri, je sais où elle est. Je sais aussi qu'au moment où je la rejoindrai, la chasse sauvage la prendra. Ils vont nous pister, nous attaquer, et il nous faudra répliquer avec force. Puis-je compter sur vous? D'abord les escadrons noirs et maintenant les spectres. C'est la vie. Ramenez-la ici, nous ferons face. C'est quoi cette histoire de Nilfgaardiens? Ces derniers temps, quand on se tourne vers la mer, on voit leur soleil sur une voile. On n'en a pas capturé un seul, mais il faudrait être idiot pour croire qu'ils ne mijotent pas quelque chose. Mais n'ayez crainte, on va hacher menu les escadrons noirs et la chasse sauvage. Doublé façon Skelly. Ciri sera à l'abri à Kertrold. Pas question de risquer la vie de vos hommes. On les affrontera à Kaer Morhen, nulle part ailleurs. Kaer Morhen est à des lieues d'ici. Y déplacer une armée prendrait des semaines, sans parler de nos îles qui seraient à la merci de Nilfgaard. Geralt, je regrette, mais c'est impossible. Je comprends. J'ai assez abusé de votre temps. Adieu. Attendez. Pas question de repartir les mains vides. Je vais faire mon possible. Suivez-moi. Très beau travail. Votre artisan est doué. Ce n'est pas le mien. C'est celui du roi Erlen d'Ancret. Erlen, point de pierre? C'est donc la lame de l'hiver? Je croyais à une légende. Forgée à Mahakam, trempée au feu des dragons, dans la famille Ancret depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est à vous. Je ne peux pas la prendre. Si, et vous le devez. Accordez-moi au moins ça. Si vous insistez, merci. Puisse-t-elle vous être utile? Renvoyez ces spectres d'où ils viennent. C'est bien mon intention. Adieu. Je suis curieux de connaître ton opinion sur la guerre. Ma foi, Emir semble avoir mal choisi son moment pour la lancer. C'est tout le contraire, selon moi, vu l'actuelle débandade du Nord. Le Nord est faible, j'en conviens. Mais j'ai l'impression que l'Empereur fait aussi face à des dissensions internes. Peut-être trop pour se permettre d'être en guerre. Radovid est un fou, mais un fou rusé. Il en tirera certainement profit. T'as nommé Hiérophante. Félicitations. Merci à toi. Le cercle de Skellige m'a choisi il y a des années. Pile au moment où les vieilles querelles entre clans se ravivaient. La tâche est donc surtout politique. Oui, mais ça m'est égal. Depuis la nuit des temps, les druides vont de clan en clan pour étouffer les vieilles rancœurs. Nous prenons soin de l'équilibre en toutes choses, pas uniquement de la population détruite de ruisseaux. Par chance, les Jarls nous ont toujours appréciés comme conseillers. Que pensent les druides de la nouvelle tête couronnée de Skellige? Les Ancret sont une bonne lignée. Et Hjalmar est un bon guerrier. Nous saurons bientôt ce qu'il vaut comme politicien. Je gage qu'il écoutera les conseils de son père et qu'il tuera dans l'œuf toute entente avec le Nilfgaard. C'est certain. Tant qu'un Ancret régnera sur Skellige, aucune paix avec le Nilfgaard ne sera possible.
Yen et moi sommes allés sur Yndarsfjall. Ah. Avez-vous appris quelque chose? Ciri est passée par l'Ophotan. Elle était blessée à son arrivée, les villageois l'ont remise sur pied. Malheureusement, la chasse sauvage l'a suivie jusqu'au village. Ciri est parvenue à s'échapper. Et les villageois... Inutile de finir. Je connais la suite. J'ai pu parler avec certains survivants. Ciri peut s'estimer heureuse d'en avoir réchappé. J'espère que tu la trouveras rapidement. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kaer Morhen. Je vais avoir besoin d'aide. La chasse sauvage, tu es sûr? Ainsi, tu as trouvé Ciri? Oui, je l'ai localisée. À l'instant où je la rejoindrai, la chasse sauvage saura où elle se trouve. Je vois. Je prépare mes affaires sur le champ, je pars demain au plus tard. Merci. Inutile de me remercier. J'ai élevé la petite, c'est mon devoir. On se retrouve à Kaer Morhen.